Bonsoir à tous. L'actualité qui domine ce mardi 18 octobre, entre 150 et 180 étrangers sont suspectés d'être en situation irrégulière sur le territoire mauricien. De janvier à ce jour, environ 170 étrangers ont été arrêtés pour être rapatriés. Aujourd'hui, les officiers du Passport and Immigration Office ont procédé à l'arrestation de 27 étrangers qui sont venus à Maurice comme étudiants, travailleurs ou touristes. Les membres de la famille Rawat ne sont pas encore sortis d'affaires. Laina Rawat et sa sœur Adila, de même que leurs époux Brian Burns et Claudio Feistrilze, seront convoqués d'ici la semaine prochaine au Central CID. Ces convocations interviennent dans le cadre de l'affaire BAI. L'enquêteur de Soy a indiqué ce matin en cours de district de Kirkpip qu'il aura besoin de plus de détails des accusés avant de ficeler le dossier. Il soupçonne que 4 millions de roupies volées d'une entreprise privée de la capitale sont cachées dans un sac dans la rivière Latanier. Les enquêteurs de la brigade antidrogue intensifient donc leurs recherches au pont Latanier à Rochebois pour retrouver ce butin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur l'express.mu.